Yo, bien le bonjour du bonsoir, c'est Traclas et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 12 de notre Let's Play sur Fable Anniversary. Donc dans l'épisode dernier, on avait fait un peu toutes les quêtes secondaires qu'on avait à faire à Oakvale. On a fait la quête des champignons bleus. Est-ce qu'on l'a fait à l'épisode dernier ou à l'épisode d'avant? Je ne m'en souviens plus. Et on s'était quitté au bordel de Darkwood, où on n'a pas fait la quête, puisque c'est une quête de gentil de sauver toutes ces femmes qui est ici. Mais entre chaque épisode, enfin entre l'épisode dernier et cet épisode-là, j'ai fait justement ce qu'il fallait pour ouvrir cette porte démoniaquement démoniaque. C'est pour ça que je suis un peu tout nu là, parce que il fallait faire des actes charnels avec 10 femmes pour ouvrir cette porte. Et j'ai trouvé ça intéressant de montrer un peu l'état de mon corps maintenant que je suis méchant au maximum. Donc voilà, c'est pas très très beau à voir. Mais j'ai de la lave sur les poings et tout comme ça. Je mets des poings, blé, blé. Je mets des coups de poing enflammés, moi. Je suis un ouf, moi. Enfin bref, on va pouvoir se réhabiller. Voilà, on va remettre notre petite tenue de mignon. Voilà, comme ça. Et on va pouvoir ouvrir cette porte démoniaquement démoniaque. Bien, bien, bien. Tu es un maître dans l'art de l'amour. Ouais, je sais, merci. Avant de te laisser passer, je n'ai qu'une question. Vas-y, dis-moi ta question. C'est comment? Bah, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sauf si ça se passe très mal, en général, c'est plutôt bien. Et nous voici à l'abbaye désolée. En vrai, c'est beau à l'intérieur de cette porte démoniaquement démoniaque. J'aime bien, moi. C'est stylé par ici. C'est calme, reposant. Je m'attendais pas à ça. Je me souvenais plus de comment c'était à l'intérieur, mais je m'attendais pas à ça. Et qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Un chapeau de Proxo. Waouh! Tout ça pour un chapeau! Comment je suis trop content. Du coup, comme on a fait tous les trucs secondaires qu'on pouvait faire, je pense qu'on peut du coup se diriger à la guilde des héros et prendre cette fois-ci une vraie quête pour un épisode avec un petit peu plus d'action. Ça serait pas mal. Alors à voir s'il y a des quêtes secondaires ici ou pas. Juste, je vais faire un tour comme d'habitude en passant par là. Je vais voir si j'ai un peu d'XP. J'en ai pas tellement, mais je peux acheter la vigueur, donc je vais l'acheter. Voilà. Voilà. Et du coup, on va regarder. Je vais voir s'il y a des quêtes secondaires, je crois pas. Non, il n'y a que la quête principale, trouver la prophétesse. Donc la prophétesse des camps des bandits, que Maz nous avait parlé. Et du coup, bon, on va partir sur ça aujourd'hui. Où est-ce qu'il faut que je me rende, par contre? Est-ce que c'est à Oakvale? Je sais plus tellement... c'est à Oakvale. Ah oui, ok, c'est bon, je sais où il faut aller. Donc on va se diriger à Oakvale et on va se rendre au camp des bandits. Je suis en train de réfléchir à un truc d'ailleurs, parce que je sais qu'on va rencontrer une porte démoniaque sur le chemin pour aller au camp des bandits. Mais je ne crois pas avoir ce qu'il me faut. Pour ouvrir cette... Oh putain, c'est fermé. Bon, de toute manière, je crois pas qu'il y a ce qu'il faut ici. Et il me semble pas que je vais avoir tout ce qu'il me... Ah, quoique. Je vais quand même prendre les devants et voir si j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais quand même... On va dormir, on va aller acheter ce que je pense qu'il me faut pour la prochaine porte démoniaque qu'on risque de rencontrer. Je vais laisser mes trucs. Oh, je vais laisser mes trophées, quel con. Hop, on va les récupérer. Heureusement que je reviens, hein, mais, du coup. Hein, parce que sinon, ils seraient restés là, mes trophées. N'importe quoi, le mec. Oui, je veux dormir dans ce lit. Voilà. Ah aussi, ça me fait penser à quelque chose que je ne vous... Merde. Pourquoi j'ai ça, là? Objet. Trophée.
Tête de hob, on le met là. Et plume de marchand, on va le mettre ici. Oui, parce que tant que j'y suis... Ah non, c'est la dent de hob que j'ai mis. Normalement, elle vaut le même prix. Hein. C'est juste que j'aime pas trop l'utiliser. Parce qu'on la voit pas tellement sur le cadre. Je sais même plus ce que je disais. Je me suis coupé moi-même, je sais plus ce que je disais. Ah oui, je voulais vous montrer une autre technique pour vous faire de l'argent, mais ça, plus au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'il y a les propriétaires? Pour vous faire de l'argent et acheter plein de maisons n'importe où, dans n'importe quel village, vous tuez tout simplement les propriétaires. Donc là, on a tué la femme. Est-ce qu'il y a le mari? Ah, le mari doit traîner quelque part. Eh ben moi je propose de commencer par un petit massacre. Est-ce que ce serait pas une bonne idée ça, un petit massacre là? On va buter des gens un peu. Genre, toi là, toi, meurs. Ok. Y'a personne qui me voit, donc du coup c'est pas très marrant. En fait si vous tuez les propriétaires d'une maison, la maison sera alors à vendre. Et du coup vous pourrez l'acheter et la louer. Mais du coup, vous êtes obligé de tuer les propriétaires. Donc, quand vous êtes gentil, vous ne pouvez pas vraiment acheter tout ce qu'il y a, enfin acheter toutes les maisons et tous les louer. Parce que là, toutes les maisons, du coup, si je tue tous les proprios, je vais pouvoir du coup tous les louer. Et comme elles seront à moi, non. Oh, putain, j'ai cru qu'elle allait se barrer. Comme elles seront à moi, je pourrais toutes les louer. Et c'est une manière de se faire de l'argent aussi assez facilement. Alors là, ce qu'il faut que j'achète, c'est la tenue de maille radieuse. Tenue de maille radieuse. Et je crois qu'il y a un truc... je vais acheter au moins déjà la tenue de maille radieuse et on verra après pour le reste. Je sais qu'il va me falloir plusieurs tenues en fait différentes pour ouvrir la prochaine porte qu'on va croiser. Mais je crois pas que je vais avoir tout ce qu'il me faut, malheureusement. Alors, bam, bam. Amende, tout ça, ouais. Comment je fais pour que j'arrive à buter les gens et j'aimerais... Ah oui, un bâtiment est disponible à l'achat. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Et maintenant, du coup, je vais pouvoir acheter un bâtiment et le louer et me faire de l'argent. En fait, à chaque fois, je reviendrai à Oogval. Il va y avoir, du coup, un petit... Ah bah, c'est le mec de la grange, en fait. Oui, on va le louer. Comme ça, en fait, à chaque fois que je vais revenir, il va y avoir un petit sac d'or ici et je vais pouvoir me faire de l'argent facilement, juste en jouant au jeu, quoi. Avec le temps qui passe, et les gens vont payer leur loyer et moi, je vais récupérer les loyers et voilà. Voilà, j'avais juste envie de vous montrer ça, comment ça marchait. Et je peux acheter littéralement tout le village. Hein. Vous butez tous les villageois. À chaque fois, leurs maisons seront du coup disponibles à l'achat. Vous achetez la maison et après, vous êtes bien, quoi. Allez, meurs! Voilà. T'avais pas de maison, toi? Non? Oui, si, allez. Allez, hop, c'est parti. Aujourd'hui, on achète des maisons. Oh, je vais... Oh! Qui est mort? Il y en a un, il est mort pendant que... C'est même pas moi qui l'ai tué. 6000 pièces d'or, là. Ah, merde, j'ai pas loué. Bon, par contre, dans ces maisons-là, il y aura aucun moyen de... comment dire? De pouvoir placer des trophées dedans. Les trophées, c'est que dans les maisons qui sont disponibles à l'achat de base. Donc je vais juste... je vais payer la... Ah, quoique non, j'ai plus trop de thunes. Donc la dernière maison, c'est pas grave, on va la laisser. Et on va se diriger vers notre quête. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Donc comme ça, au moins, c'est fait. Je vais juste buter un coup. Ah non, c'est pas le bon pouvoir. C'est ça que je voulais. On va buter quand même 2-3 gardes. Pour le fun. Hey, il m'a coupé pendant mon pouvoir magiquement magique. Pas cool ça. Faut peut-être que j'arrête avec les démoniaquement démoniaques et magiquement magiques et tout ça. Mais comme j'ai pris stick de langage, maintenant j'arrête pas. Ouais, le garde, allez. Arrête de me courser. Voilà, chemin de la falaise et normalement, le camp des bandits se trouve juste derrière. Vous devez être discret pour atteindre le camp des bandits. Si l'un d'entre vous voit, il donnera l'alarme et fermera la porte. Si cela arrive, vous devrez attendre caché en attendant que les portes se rouvrent.
D'accord, alors faufilez-vous discrètement et passez la porte pour atteindre le camp des bandits. Si vous êtes repéré, tuez les bandits et attendez que les portes s'ouvrent à nouveau. Il faut appuyer sur L pour être discret. Ok, ok, on sait tout ça. Donc heureusement que j'avais augmenté ma ruse lors du dernier épisode. Donc là, le but, c'est vraiment de passer discrètement. Hein. Faut pas les buter. Alors, soit vous passez comme ça, là, parce que vous avez moins de chances de vous faire repérer. Soit vous attendez qu'ils ont le dos tourné. De toute façon, normalement, ils font des rondes. Et vous pourrez passer assez facilement. Toi, par contre, lui, il a l'air chiant. Pourquoi tu me fais ça, toi? Tu me fais mentir, c'est ça? Hop là, voilà. Celui-là, il m'a pas vu. On va regarder bien un peu de partout, voir s'il n'y a pas des choses à récupérer, bien sûr. Pas qu'il me voie, pas qu'il me voie. Tu ne me vois pas. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Putain, qu'est-ce qu'il fout là, ce con? Mais dégage! Oh, en plus, j'y vois rien. Un intrus, ferme les portes. Il est venu sur moi, le mec. Bon, bah tant pis. Alors, petite technique. Si au cas vous n'arrivez pas à passer les bandits comme moi, vous faites repérer un coup, vous butez tout le monde, vous avancez au plus près de la porte. Là, on va péter les tonneaux, récupérer ce qu'il y a dedans. Voilà, vous avancez du coup au plus près de la porte et vous vous cachez. Alors, pas là, normalement, vous cachez là, ça devrait le faire. Après, vous attendez du coup le chrono pour que d'autres bandits arrivent et prennent la place des anciens bandits. Vous attendez là. Et une fois qu'ils seront tous passés, on va pouvoir passer tranquillement. Et au pire, s'ils envoient tous leurs hommes là, au bout d'un moment, il n'y aura plus personne. Et j'aurai buté tout le monde. Et le travail sera fait, non? Ce ne serait pas une meilleure solution, franchement. Regardez, ils se barrent main, là, ils sont pas venus me choper les petits fourbes là. Allez, toi là-bas, avance. Allez, avance. On n'a pas que ça à faire. Voilà. Voilà. Et là. Yo. Yo. Ça y est. J'ai réussi à passer. Ouh. Et nous voilà introduits dans le camp des bandits. Hey, tu sais ce qui est arrivé à Stern? Non. Qu'est-ce qu'il a encore fait cette fois? Il a perdu son bandana dans un raid. Il n'a pas pu rentrer au camp pendant une semaine. Ouais, impossible d'entrer sans la tenue complète ces temps-ci. À mon avis, le vieux de l'âme devient parano. On se demande ce qui lui arrive. Hé, hey, qui c'est? Hein? Derrière moi? Je sais pas qui c'est. Qui y a-t-il derrière moi? Non, moi je suis juste venu m'infiltrer pour parler à la prophétesse qui pourra peut-être m'aider à trouver ma sœur en fait. C'est juste pour ça que je suis là. Après le reste, m'en fous quoi. Vous pouvez tuer tout le monde, moi ça me va, ça me fera du boulot en moins. Quoique non, c'est moi qui tue les gens, c'est pas vous. Voilà, j'ai changé d'avis. Changé d'avis en 2 secondes comme ça. Mourez! Bon bah là par contre ça va nous faire beaucoup de bandits à tuer. Et en tuant ces bandits, ça va nous faire beaucoup de points de gentil. Hein. Ça veut dire qu'il va y avoir des massacres en perspective. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je suis en train de jouer comme un pied, en fait, là, un peu. Hein. Pouvoir de la mort qui tue. Voilà. Ça, c'est fait. Toi, là, le plus fort, t'es mort. Tac. Je vais mettre mon petit bouclier magique. Parce qu'il est très pratique. Et en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est juste vous avancer, vous récupérez les coffres. Et on va trouver à chaque fois une partie du stuff de bandit. Et il va falloir qu'on se déguise en bandit, du coup, pour pouvoir passer la prochaine porte. Sinon, on pourra tout simplement ne... On pourra pas rentrer. On va buter les archers. Oh, bah, ils sont morts très vite. Ils sont morts ultra vite, je suis choqué. Donc là, il y a un autre coffre. Alors, on a déjà récupéré les bottes. Là, on a la chemise. On va s'infiltrer comme il se doit. Tac, petite potion de volonté.
Potion de soin. Une potion de soin, une potion de volonté, ça fait plaisir. Hein. Moi, tout ce qui est gratuit, ça fait plaisir, hein, franchement. Ça fait plaisir. Mourez, mourez. Oh, bah, d'habitude, tu meurs plus vite, toi. Votre volonté est faible. Attention. Oui, bah, je sais, j'ai pas la peine que tu me le dises, hein, monsieur le vieux, là. Blichy ! On va invoquer une petite épée à côté de nous. Ça, ça fait plaisir aussi. Oh, comme on est monstrueux comme ça. Là, on voit bien à quel point on est gros avec la chemise de bandit, là, et puis ce pouvoir. Potion PX d'adresse. Ah, ça, c'est cool, ça. On va la mettre tout de suite avant que j'oublie. Hop, 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 hop. Potion PX d'adresse. Voilà. Le petit coffre. Le pantalon de bandit. Il nous reste plus que les gants. Et les gants et le casque. Et c'est tout. Normalement. Alors je sais plus s'il n'y a pas une clé d'argent qui doit traîner par là. Je vous avoue que j'ai zappé. Je m'en souviens plus. Toi t'es mort. Là, des petits bandits. Bichier ! Voilà, voilà. Voilà. Par contre, c'est un peu chiant quand on est en mode berserker comme ça. Bah du coup, ils tombent à chaque coup. Et des fois, c'est peut-être même plus long de les tuer que, que quand t'es pas en mode berserker. Donc c'est dommage. Mais bon, tant pis. Hein. Là, il doit y avoir un dernier. Enfin, non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Voilà, le bandana. On a un petit flow en bandit aussi, hein, quand même. Hein. J'aime beaucoup. C'est... Oh, c'est une tenue qui me va. Ça fait pas trop gentil, donc ça me va. Ah bah, le dernier est juste là. Voilà, mourez. Mais les gars, je suis un bandit, vous voyez, j'ai mon bandanage et tout. Votre volonté est faible, attention. Oui, mais je sais qu'elle est faible. J'ai acheté des potions de volonté exprès pour pallier à ce problème. Voilà, gants de bandit, ça y est. On ressemble maintenant vraiment à un bandit. Et on va pouvoir passer la porte. Ah, mais il y a la porte démoniaque, monde démoniaque, elle est ici. Ah, oh non, du tofu. Le tofu, c'est de la bouffe de gentil, ça, le tofu. Pas manger, ça, c'est pas bon, ça. Bouffe de gentil, là, c'est bof. Manger du crousti poulet, c'est mieux. Oh, décapité, lui. On va tuer les derniers bandits, là. Toi, tu vas être un peu plus résistant. Y a pas un truc là-haut aussi? Ah si, y a un coffre là. Y a quoi dans ce coffre ici? Une fiole de résurrection. Bon, c'est toujours ça de prix. Salut toi. Et Blichy. Mortibus. Oh non, je voulais pas faire ça. On va parler à la porte démoniaque, monde démoniaque. Quoi? Oh, tu n'es pas l'un d'entre eux, n'est-ce pas? Ma vue n'est plus ce qu'elle était. L'un était un beau chevalier à l'armure brillante. C'est ce qui a dû me ruiner les yeux. Puis vint un mage maléfique avec ses sombres robes magiques. Beaucoup de classe. Le dernier était un rôdeur, comme les gars ici. Où est le beau chevalier que j'attends? Donc lui, en fait, veut juste revoir les personnes donc, qu'il a dit. Donc un en armure radiante qui lui a explosé les yeux, apparemment. Un mage sombre et un bandit comme ceux d'ici. Donc, le premier, c'est une armure radieuse. Donc, normalement, la tenue de maille radieuse que j'avais achetée juste avant de venir ici, ça doit être celle-ci. Où est le beau chevalier que j'attends? C'est pas celle-ci, donc c'est l'armure de plate. Où est... Ah, flûte! Ah non, c'est parce que j'ai pas les bottes. Non, me dites pas que j'ai oublié d'acheter les bottes. Oh le con! Où est
Oh le con. Bah tant pis, on l'ouvrira plus tard. Oh le fail. Oh l'ultime fail. Oh j'y crois pas. J'ai oublié d'acheter les bottes. Bon bah tant pis, on l'ouvrira une fois qu'on aura fait la mission ici, hein. c'est pas trop grave. Hein. Je voulais l'ouvrir sur le chemin, mais bon, du coup, je me suis fait, j'ai oublié d'acheter les bottes. Pas intelligent, le mec, hein. Donc là, c'est bon, là, que je me suis infiltré, du coup, j'ai remis ma tenue de bandit, je me suis infiltré, ils me prennent pour un des leurs. Salut, mec. Belle tenue de bandit. Merci, ça fait plaisir. C'est le camp de Delame. Ouais. Quand tu y es pour de bon. Ouais, mais tu t'inquiète. Tu peux te changer une fois dedans. Encore un qui arrive, Joe. Ouvre les grilles. Donc voilà, la tenue de bandit, il nous la faut juste pour rentrer ici. Donc il a dit on peut changer une fois dedans. Mais on va pas changer, nous on va jouer RP, on va être un bandit là. On joue l'infiltration au max. Alors ici, il y a plusieurs choses. Donc là, il y a un garde du corps, donc on s'en fout. Là, il y a des gugus, on s'en fout. On va bien fouiller un peu de partout parce que il y a plein de choses à récupérer normalement. Potion PX de volonté, ça fait plaisir. Potion de soin est là-dedans. 500 pièces d'or, ça fait plaisir. Je vais prendre tout de suite ma potion de volonté avant de l'oublier. Parce que j'ai une cervelle de moineau, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, ça c'est pour jouer au jeu. Ça nous intéresse pas vraiment. Bah. Et casse-le le tonneau. Voilà. Donc ça c'est pour jouer au jeu. Pour l'instant ça nous intéresse pas vraiment. Il y a lui ici. Mais on va lui parler après. Parce que ce que je veux faire en tout premier, c'est déjà aller parler au marchand qu'il y a ici. Voir ce qu'ils ont à vendre. Normalement ils ont des trucs à vendre qui vont être assez intéressants. Donc là, ça... Ah oui, c'est vrai que j'ai utilisé toute ma thune comme un con aussi. Oh, on va pouvoir acheter plein de croustipoulets. Oh, plein de croustipoulets. Ça, je vais en acheter un pour le mec qui a besoin des livres, là. C'est jamais. Peut-être que je ne retrouverai jamais ce livre-là. Donc, autant l'acheter. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a? Tac, 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 obsidienne, 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 hache de zombie. Ouais, épée de chien de guerre, donc ça on les a déjà vus, hache piquante, hob. Donc rien de nouveau pour lui. Et lui normalement, lui il a ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est les armures en maille noire. Et en plate noire. Ah oui, putain, il a les plates aussi. Donc je vais me faire de la thune pour acheter les plates noires entre les épisodes, je pense. Parce que, bah oui, j'ai utilisé toute ma thune un peu comme un con, du coup, à acheter les trucs radieux pour rien. Alors, est-ce que je vais avoir assez pour acheter les mailles noires? Je sais pas. Homme de mailles noires. Chemise de maille noire. Gauntlet de maille noire. Jambière de maille noire. Et bottes de maille noire. Bon, oh, j'ai eu assez. Puis comme je l'ai acheté, puis que je risque sûrement d'acheter l'armure de plate noire entre les épisodes, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement ma tenue de maille noire. Voilà, comme ça on aura au moins joué un peu avec la tenue de maille noire. Vous voyez, elle est stylée, hein. Elle est pas mal stylée, moi je l'aime beaucoup, cette tenue-là. Tenue de maille noire. Et là on fait bien plus méchant, là. Donc on va avancer. Et on va voir en fait qu'est-ce qu'il faut faire pour passer. Tu vois, il nous dit qu'il nous faut un pass. Hey, pourquoi? Tu n'iras nulle part sans permis de résidence de bandit. Il y a un gars qui en a un. Il est tout le temps à la taverne. Ok, donc il y a un gars qui en a un, il est tout le temps à la taverne. Voilà ce qu'il nous dit. Et donc, celui qui est tout le temps à la taverne, c'est lui, c'est Bénis. Vous savez donc que j'ai un pass supplémentaire, hein? Si vous gagnez une partie de deviner l'addition, il est à vous. Je n'ai jamais rencontré de bandit assez intelligent pour pouvoir gagner. Ce sera drôle de vous voir échouer. Ok, donc lui... On peut avoir un pass en jouant à son jeu, deviner l'addition. Mais si je me souviens bien, le jeu il est un peu
est un peu pourrie. Ah non, c'est la roulette. Oh, je sais même pas. Mais il y en a un autre juste là qui a un pass normalement. Ainsi, tu serais intéressé par un pass pour le camp. Je peux t'en avoir un, mais ça te coûtera 1000 pièces d'or. Voilà, lui, il peut m'avoir un pass pour 1000 pièces d'or. Mais j'ai pas envie d'utiliser 1000 pièces d'or. Et son jeu de merde, j'ai pas envie de le faire. Donc normalement, si je le bute... Voilà. Et là, j'ai le pass de bandit. Alors j'aurais pu aussi très bien buter le bandit. Mais vu que c'est un méchant, on va le laisser en vie. Et voilà, j'ai le pass de bandit. Sans jouer au jeu, sans payer 1000 balles. On dirait un pass valide. Tu peux entrer. Allez, laissez-moi passer. Laissez passer la légende Maleficius. Et nous voilà au deuxième partie du camp, donc l'élite des deux lames. Là, c'est vraiment les bandits, l'élite des bandits, quoi. Alors, on va péter les tonneaux. Des fois, il y a des trucs intéressants dedans, comme une potion PX de force. Je prends. Ça fait plaisir. Voilà. Là-bas, il y a un coffre. On prend le coffre. Fiole de résurrection, bon. Ça aurait pu être mieux, mais bon. C'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. Potion de santé. Oh, attendez, on va faire un truc stylé. Et attention, explosion! Voilà. Bon, c'était moins impressionnant que dans ma tête, mais... mais voilà, tant pis, hein. Alors, ici, c'est là où il va y avoir un autre truc. Ah oui, on ne l'a pas fait d'ailleurs. On ne l'a pas fait, il faut que je pense à le faire, le truc de baston que je vous ai parlé. Je crois que je vous en ai parlé dans l'épisode 10. Et c'est vrai que ça m'est sorti de la tête. Il faudrait qu'on aille à Bowerstone pour le faire, le truc de baston. Dégage! Le chef m'a demandé de surveiller cette zone. Il donne une petite fête là. Et ça inclut de ne laisser personne emprunter cette porte. À part les otages réservés au divertissement. Et c'est ce que je vais faire, c'est compris? Ok, donc là on pourra pas passer à l'aide d'un pass. Là, le chef donc de l'âme fait une petite fête, donc il laissera passer que les otages. Donc pour ce faire, on va déjà aller voir là, ici. Venu assister au divertissement? Ne sont-elles pas mignonnes, hein? Ça va être une belle fête pour sûr. Alors le tout, c'est que je me souviens plus de comment faut faire quand on est méchant. Sortir de là. Il vous faut une clé pour ouvrir les portes de cette cage. Ouais. Comment on fait quand on est méchant déjà? J'ai zappé. J'ai oublié. Donc là-bas, il nous faut une clé pour les faire sortir. Là, il y a un coffre. On va ouvrir le coffre. Pantalon d'assassin. Oh, ça fait plaisir ça. Pantalon d'assassin. Grande masse d'acier qui traînait par terre comme ça. Donc là, il faut que je parle à l'un des trois qui sont là. Alors je sais plus c'est lequel exactement. Alors attendez, je casse ça. Toi. Roderick, c'est toi Roderick? C'est lui Roderick. Si on causait une diversion pour attirer les gardes de la réserve, ça ouvrirait les portes. Bien sûr, une entreprise aussi risquée requiert une rémunération adéquate. Donc lui, il faudrait le payer 2000 balles pour qu'il fasse une diversion. C'est une position honnête dans ces temps de crise. Nous resterons ici, et tu changes d'avis. Je crois que je vais le payer parce que sinon, en fait, il faut que je délivre les prisonnières. Et délivrer les prisonnières, je crois que c'est un truc de gentil. Donc, je vais lui payer ses 2000 balles. Bien pensé. Voilà. Comme ça, hop, il crée une diversion. Et moi, il faut que je passe vite pour aller me rendre, vers de l'âme. Voilà, là, la porte est ouverte. Alors, je sais plus s'il faut que je me dépêche ou pas. Et dans le doute, on va courir à la porte, parce que j'ai pas envie de repayer 2000 balles. D'ailleurs, je suis même pas sûr que j'aurai de nouveau 2000 balles. Poussez-moi. Bien, allez. La porte est ouverte. Vous avez accès à la zone de deux lames. Accès à la zone de deux lames.
Voilà, que va-t-il bien se passer? Je t'attendais. Arrière, les gars! De l'âme veut dire deux mots à ce petit héros. On veut me parler, apparemment. Le grand Delame était déjà au courant de ma venue, sûrement grâce à sa prophétesse. Alors, Delame, tu viens ou t'as peur? Pourquoi ça tremble? Hein? Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Vous êtes plutôt grand. Vous êtes même pas dans le cadre. Elle avait prédit qu'un pantin de la guilde viendrait. Et te voici. Mais hein? L'âme meurt d'envie de te connaître. T'as pas l'air très gentil. Ça fait des jours qu'elles n'ont pas mangé. En tout cas, ces lames, elles sont stylées mais à lui. Hein. Tu n'as pas l'air très appétissant. Toi, t'es pas appétissant, ouais. Défends-toi, pantin de la guilde. Voyons de quoi tu es capable. Ok. Donc, il va falloir se battre contre... contre la montagne qui est... qui est deux lames. Allez, viens. Donc, c'est le premier... c'est le premier boss qui nous faut battre. Donc il a un pattern très intéressant en fait. On peut pas lui faire de mal en le tapant comme ça. Il faut que le taper dans le dos. Donc il faut attendre qu'il plante ses lames là comme ça. Et après, bim, après il faut lui taper dans le dos. Sinon tout le reste du temps il faut esquiver. Pas trop reculer parce que sinon les bandits, comme vous avez pu le voir, vous tapent dans le dos. Hein, c'est des fils de chiens. Allez vas-y, plante tes lames. Hop, esquive. Voilà, dans le dos, bim, bim. Ah j'ai plus donné qu'un coup. J'aurais peut-être pas dû vouloir placer une botte. Esquive, esquive. Vas-y, viens, plante tes lames dans le sol là. Alors. Même pas peur moi. Bim. Et bléché. Et voilà. Je l'ai niqué. Je suis trop fort. Finis-moi vite. Je ferai la même chose pour toi. Te voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne reconnais pas ta sœur? Ma sœur? Son passé se rejouait devant elle. Les souvenirs de Teresa se ravivaient dans un brasier. Okval brûlait. Elle vit les bandits torturer sa mère impuissante. Puis ils se tournèrent vers elle pour l'interroger sur son frère. Elle ne leur répondit que d'un regard. Pour la punir, le chef des bandits lui creva les yeux. Les pillards s'enfuirent avec la mère du garçon et Teresa se retrouva seule dans la forêt. Elle erra pendant 3 jours, aveugle et accablée de chagrin, jusqu'à ce qu'elle fût retrouvée par des bandits. Delame et ses hommes. Pour elle commença une nouvelle vie de servitude dans leur clan. Le roi bandit sentait sa force et sa volonté exceptionnelle. Il l'écoutait quand elle murmurait des vérités prophétiques dans son sommeil. Ceux qui ne pouvaient tolérer cette petite fille aveugle aux côtés de leur maître ne firent pas long feu. Lorsqu'ils s'en prenaient à elle, elle les tuait sans pitié ni émotion. Car telle était sa place dans le monde. J'ai vu tellement de choses, tellement de tueries et de morts. Je t'ai vu, petit frère, dans un cercle de sable et de sang, une arène remplie de secrets. Et j'ai vu le choix que tu devras faire un jour, entre l'ombre et la lumière. Teresa. Désolée, Delame, tu seras seule désormais, comme nous tous d'ailleurs. Mais avant de partir, j'ai un cadeau pour toi, pour tous les anniversaires que j'ai manqués. Un pouvoir qui se transmet dans notre famille. Il te trouve quand tu dors et quand le jour faiblit. Qu'attends-tu?
Finis-moi ou va-t'en. Je suis mort de toute façon. Je ne suis plus le roi de personne. C'est déjà... Et voilà, on a appris que notre sœur était vivante. Donc là, on va finir de l'âme, parce que moi, je veux pas le laisser en vie. Allez, viens! Même pas peur. Ah oui, c'est vrai, faut buter tout le monde, du coup. Enfin, je crois. Attendez, on va juste faire comme ça, histoire de buter tout le monde. Donc là, oui, on a appris, du coup, que notre sœur était vivante. Donc elle a vécu ici avec, avec les bandits de l'âme. Et apparemment, bah, elle n'est pas non plus tout beau tout rose. Hein. Elle a tué des gens sans pitié. Donc apparemment, vous voyez, cette famille. Hein. Il n'y a pas que moi, cette famille. On est tous méchants ici, en fait. Et bah voilà, on a fini le boss. Donc c'était plutôt intéressant. Du coup, c'est là où l'histoire elle commence à être un peu intéressante et que... Et qu'on va commencer à arriver dans le vif du sujet. Donc notre sœur est vivante, c'est une prophétesse aveugle. Et elle a eu une vision de nous dans du sable et du sang. Donc sûrement une arène apparemment. Donc on verra bien ce qui se passera par la suite. Et elle nous a donné un pouvoir. Alors le fameux pouvoir, c'est juste qu'elle nous a donné plein de points d'XP, hein, c'est tout. Hein. C'est rien d'ultra ouf. On aurait pu espérer un pouvoir magique de volonté spécial, tu vois, ça aurait pu être marrant en vrai. Ça pouvait être sympa, marrant, ça aurait pu être stylé, tout simplement. Mais du coup, non. C'est juste des points d'XP pour pouvoir s'améliorer à la guilde des héros. Voilà. Bah du coup, oh, un diamant. Du coup, on va s'arrêter là. On a fini notre quête, du coup. Bah, je vous dis comme d'habitude, merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse mettre un pouce en l'air, vous abonner, activer la cloche. Et on se retrouve dans un prochain épisode.